Allô, on est de Rousseau, de Québec, et on fait du punk alternatif. Punk alternatif, encore deux grands termes en fait. Est-ce qu'il y a des bands ou des influences qui vont vraiment rejoindre en fait? Mais tu sais, à la base de bands, c'est vraiment les grands classiques des années 90, là, Nirvana, je sais pas, Fugazi, là, vraiment la scène américaine là, de post-hardcore puis de punk. Là. Ouais, ça te blend. Là. C'est ça. Puis là, après ça, il est venu se greffer à ça, toute l'influence de la musique québécoise. Là. Jean Leloup notamment, tu sais, qui comme une grosse partie quand même de ce que j'écoute encore aujourd'hui. Tu sais, ensemble, on a blendé vraiment sur le métal, parce que Rich vient du milieu du métal, vraiment. Oh, j'ai un bon background de métal à mon actif, donc ça apparaît aussi un peu dans mon playing. Okay. Puis je pense que c'est ça qui a amené justement la couleur un peu d'ogo, là, tu sais, le côté un peu mélodieux, soft, mais avec aussi la brutalité au travers. Okay, okay. L'intention punk, mais qui rejoint aussi... un peu plus, je sais pas, de brutalité, mettons, qui se rejoint au métal. La genèse du band, est-ce que c'est l'idée d'une des trois personnes en particulier? Est-ce que tu dis que toi, t'as rejoint un peu plus tard? Je serais curieux de savoir comme l'idée est arrivée dans la tête de qui au début? Tu sais. Ouais, c'est moi. De toi? Ouais, parti le band. Le maître. Ouais, c'est comme ça que les gars m'appellent. Là, ah ouais, hein, mais... ben, tu on regarde ça pour la vanne. Là, mais... ouais, mais pourtant, c'est ça que j'avais, le maître comme nom. T'as bien en noir. Non, j'ai starté mon premier band, dans le fond, d'ado est mort, puis je l'ai parti à un autre band, plus heavy. Puis j'avais Dogo Suicide en tête, parce que je trouve que c'est drôle comme nom, puis que ça sonne bien. Fait que j'ai dû convaincre mon entourage de jouer avec moi, parce que tout le monde disait que c'est une très mauvaise idée. C'est ça, mais tu sais, j'ai convaincu Manu, qui est pas là, dans l'âge, j'imagine, à jouer avec moi. Ça a été difficile, au début, ça y tentait pas. Puis là, finalement, il est devenu motivé. Puis à un moment donné, on a perdu notre batteur, puis Richard est embarqué. Puis là, c'est là que le projet a comme vraiment commencé. Okay. Là, on parle de 2020, pleine pandémie. C'est vraiment là qu'on a commencé à jouer ensemble. Meilleur moment. Oui, meilleur moment. Parce que ça laisse beaucoup de place pour jammer, mais aucune opportunité pour jouer. Ouais. Ouais, c'était vraiment ça. On a eu le temps de composer en masse. Ouais, c'est ça. Puis notre premier show, d'ailleurs, a été fait dans un contexte de distanciation et de contrôle avec les mesures, tout ça. Là. Ce qui est un peu ironique avec la dynamique que vous avez. Oui, c'est ça. Parce que nous autres, tu pourrais faire des slams, des mosh pits là-dessus. Puis là, tout le monde était assis sur une chaise, ça n'a pas bougé. Mais ça a bien marché, le monde a vraiment aimé ça quand même. Puis était genre 1h de l'après-midi, c'était un dimanche. Puis genre, il faisait full beau, il y avait des familles, des poussettes, puis nous autres, on était juste comme... Tu sais, c'est notre premier show, on était comme full, genre, crinqué, genre, cool, là, tu sais. Ah ouais, on était vraiment, genre, overkill, genre. Parce que c'était cool. Beau souvenir, quand même. Ben oui, ben oui. On a comme... on a parlé un peu de la genèse, de comment ça s'est créé, le band, un peu, mais je serais curieux de savoir, tu sais, individuellement, quand que la musique est apparue dans votre vie, puis de quelle façon, je sais pas qui veut commencer. Vas-y, ouais. Moi, c'est vraiment les films de skate. Moi, ado, comme plus jeune, c'était vraiment... Exemple, on parle de 11-12 ans. Je trippais vraiment sur le skate, t'sais, comme c'était ça que je pensais juste à ça, comme qu'aujourd'hui je pense juste à la musique, t'sais. Ouais. Puis les films de skate, je sais pas, c'était vraiment ce que je consommais comme que... C'était tellement le fun. C'est malade, ce que je veux pas t'interrompre, mais moi aussi, les films de skate, grosse partie de mon adolescence, j'ai fait beaucoup de skate aussi, puis en tout cas, non, je consommais ça à l'époque, comme qu'aujourd'hui je consomme, exemple, la littérature, t'sais, c'est comme quelque chose qui était dans mon quotidien, t'sais, vraiment. Puis à un moment donné, je sais pas, la musique, ça a commencé à... ça l'a éveillé de quoi, puis... J'ai trouvé un vieux vinyle dans le sous-sol chez mes parents, qui est volume 4 de Black Sabbath, qui était à mon père. Puis j'ai dit comme, c'est quoi ça? T'sais? Puis là, il m'a expliqué, là, Nicolas, ça, c'est Black Sabbath. Là, il l'a fait jouer. C'est autre. Puis là, ma soeur m'a acheté une guitare au Punch Up, puis ça a commencé là. De ton côté, en fait? Moi, de mon côté, c'est ça a commencé relativement tôt, mais ça fait du temps avant que je m'implique vraiment dans l'instrument du drum. Il y avait un de mes amis qui était mon voisin quand j'étais enfant. Son père était musicien, puis dans le sous-sol, il y avait tous les instruments possibles. Puis moi, je trouvais que c'était... très beau, là, je trouvais ça, j'étais impressionné par ça. Mais moi, je voulais jouer du piano au début. Puis là, à un moment donné, mon ami, il m'a dit, essaye le drum, je te le dis, c'est vraiment le fun. Ouais. Puis j'avais essayé ça la première fois, je trouvais que c'était trop bruyant, c'était fort, j'étais déstabilisé. J'avais 10 ans à peu près. Puis là, après ça, j'ai rejoué une deuxième fois, peut-être vers 11 ans, 12 ans. Puis là, cette fois-ci, ça l'a fait un éclair là, dans mon cerveau, j'ai vraiment vu, là, OK, c'est ça que je fais de ma vie, là, c'est ce que je veux. Mais ça a pris du temps avant que je puisse avoir un drum, avoir l'espace pour jouer, parce que c'est bruyant, ça prend de la place. Fait que c'est vraiment, ça s'est passé à Limoilou, en fait, à la Maison des Jeunes. Limoilou. Ouais, sur la 10e Limoilou, ils m'ont vraiment aidé. C'est une place. Shout-out à eux. Shout-out à la Maison des Jeunes, ils m'ont vraiment, vraiment aidé. Ils ont fait un petit local pour moi, j'ai eu l'espace pour pouvoir pratiquer. J'étais là tout le temps, là, j'étais 8 heures par jour, genre.
Moi, des fois, je manquais des cours d'école pour aller, ah ouais. aller pratiquer. Hey, puis perdu. Après ça, ben, c'est ça, ça a commencé de même. Après ça, j'ai eu mon premier local avec des musiciens, là, vraiment, quoi, quand ça jammait avec du monde. Mais j'ai vraiment joué longtemps seul au départ. Okay. Puis après ça, mon premier band, puis ainsi de suite.
Merci.